L'activité opérationnelle de 2016 restera bien sûr marquée par deux événements particuliers. Les inondations historiques que le département a subies entre le 30 mai et le 12 juin. Le second fait marquant restera bien entendu l'incendie du centre de secours de Châtillon-Coligny le vendredi 10 juin dernier, alors que même nous n'en avions pas terminé sur le front des inondations. Je voudrais remercier les collectivités locales et le conseil départemental qui nous dotent chaque année des moyens financiers nécessaires à notre fonctionnement, et ce dans un contexte budgétaire particulièrement contraint. Je tenais à te remercier, Eric, pour avoir initié ce beau projet de PPP, 12 CS, unique en France. Je ne vous cache pas ma fierté d'avoir sur notre territoire ce nouveau centre de secours. Je reste persuadé qu'il ne faut pas relâcher nos efforts pour, d'une part, conserver et fidéliser nos sapeurs actuels, mais aussi fournir les efforts nécessaires pour atteindre de nouvelles cibles, à savoir les jeunes. La réalisation de ce centre de secours a été menée en un temps record, comme les 7 précédents, c'est donc le 8e. Il fait partie des tranches 1 et 2 du programme départemental du SDIS. Comme Artenay, Loris et Beaune-la-Rolande seront inaugurés très prochainement à leur tour. Ces réalisations font partie du contrat de partenariat public-privé qui a été pensé et élaboré par mon prédécesseur à la présidence du SDIS. C'est grâce à toi, Eric, grâce à ton esprit d'entrepreneur, que ce programme a vu le jour. Il comprend la construction de 12 centres de secours entre 2014 et 2017. Un temps record pour une telle opération, unique en France, comme tu l'as dit, Pascal. Je voulais, au nom des maires du Loiret, de l'ensemble des maires du Loiret, à vous tous, sapeurs-pompiers du Loiret, dire un merci très chaleureux. D'abord, je voudrais féliciter tous les promus et les décorés, leur dire bravo pour leurs différentes interventions et tout ce qu'ils ont effectué. Mais ça a été une année particulière avec ces inondations dont nous avons parlé déjà. Les Loiretains ont été fiers de l'intervention des sapeurs-pompiers. Nous sommes fiers de vos interventions et de ce que vous faites pour nos concitoyens et pour nous tous. Simplement, la première chose que je voudrais dire, c'est la fierté que j'ai d'avoir pu partager avec vous autant de temps. Je me souviens que j'ai dû commencer il y a une quarantaine d'années pour l'inauguration du centre de secours de Main-sur-Loire, et je vais terminer avec l'inauguration du centre de secours de Main-sur-Loire très prochainement. Donc j'aurai passé des années passionnantes au milieu de vous, donc j'en suis particulièrement fier. Tout simplement, vous remercier pour votre action au quotidien, saluer les médaillés, les promus, ce n'est que justice. Qui peut se targuer d'être aussi populaire que les pompiers ? Quel petit garçon n'a jamais rêvé d'endosser vos habits, de conduire vos camions, de grimper sur la grande échelle ? Quelle jeune fille n'a jamais rêvé d'être sauvé par un pompier. Pourquoi une telle popularité? Parce que les sapeurs-pompiers sauvent nos vies et garantissent notre sécurité. Vous avez choisi de porter secours à vos concitoyens. Je veux vous témoigner la fierté et la reconnaissance de la nation. À chacune et à chacun d'entre vous, à vos familles, vos proches qui vous soutiennent, je souhaite une bonne fête de la Sainte-Barbe. Qu'elle soit, comme chaque année, l'occasion de nous rassembler autour de valeurs de solidarité et de fraternité que vous incarnez. Merci à tous. Bonne Sainte-Barbe. Très belle inauguration qui était jointe à la Sainte-Barbe départementale. Ah, c'était un outil vraiment très très bien adapté, très bien pensé pour les sapeurs-pompiers, qui prévoit aussi l'avenir avec forcément quelques chambres, et vraiment un outil opérationnel et très beau. Le centre de secours d'Artenay se compose de 25 agents. Je vais remercier quand même l'ensemble du personnel d'Artenay qui a participé à cette manifestation, a organisé cette manifestation. Je remercie aussi le département d'avoir fait confiance au centre d'Artenay pour l'organisation de cette manifestation.